Allez, c'est parti. On est parti une nouvelle fois sur Call of. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Call of, les amis. On se retrouve tout de suite dans le feu de l'action sur une map. Je suis arrivé dans une partie déjà engagée. Moi, je viens tout juste d'y arriver. On est en train de la mener 12 à 9. On le voit. Je vais y aller prudemment pour pas me faire déboîter dès le départ. Et on est parti. Ce jeu est un jeu de dingue. Je suis déjà à plusieurs vidéos que j'ai fait sur ce magnifique jeu. Vous avez vu peut-être dans la presse, record mondial de lancement pour Call of Mobile. Aucun jeu sur mobile n'a fait un tel lancement. Même je pense qu'aucune application sur mobile n'a fait un tel lancement. On est à 100 millions de téléchargements en l'espace de une semaine. C'est vraiment du jamais vu sur mobile. Donc là, c'est un truc de dingue. 100 millions, vous vous rendez compte? 100 millions en une semaine, c'est un truc de carrément dingue. J'ai du mal à imaginer. Ça doit être fou. Je sais même pas combien on est en ligne en même temps. On va avoir bientôt des stats à mon avis fournies par Activision ou par Timmy qui est le... Oh là là là, ah j'en étais sûr. Par Timmy qui est l'app de dev. Donc là, je suis un peu chafouin et je vais avoir un moins bon niveau que sur les autres vidéos puisque comme vous l'avez vu sur le Battle Royale, je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo si vous avez raté la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Et surtout lâchez un gros pouce bleu si vous aimez les vidéos, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Je suis un peu moins bon que les toutes premières vidéos, enfin je trouve, hein, même si j'étais pas ouf non plus, parce que je suis passé en mode expert et il faut le temps que je m'habitue à comment je vise en mode expert. En fait, la visée ne change pas, mais c'est le fait de tirer en même temps. Et c'est un peu plus difficile, il faut que je lève le pouce pour appuyer. Et forcément, ça demande un peu plus de technicité. Mais je pense que j'ai fait l'erreur de commencer en mode simple. Et j'aurais pas dû, j'aurais dû commencer directement en mode avancé. J'aurais été plus fort. Aujourd'hui, là, je le paye. Parce qu'en fait, je peux tirer à travers les... Oh là 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 là. Je peux tirer à travers les structures que en mode avancé. Je peux pas le faire en mode simple. Allez, on continue. On est parti. Hop, on repasse au zoom. J'aurais dû lâcher une grenade. Je suis pas encore bon sur la grenade là. Allez, 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 toi, je vais rien faire du tout parce que je suis un naze. Voilà. Bon. C'est pas ouf hein, quand même ce que je fais là. Et il m'a tué à travers le buisson, lui, salopard. Bon, on va y aller à la grenade peut-être. C'est sympa. Moi j'aime bien la grenade. La grenade, c'est bon, ça. On est bien. Hop là. C'est bien! Un beau jet! Je vais me tirer dessus comme un con, hein. Putain, n'importe quoi, moi. Et en tir automatique, il serait down, hein, lui. Hein. C'est juste, je suis moins bon. Juste, je suis mauvais, en fait. C'est pas, je suis moins bon, hein. Vas-y, 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 vas-y. Allez, là, chut. Plus de bruit. C'est la ronde de nuit. En fait, j'ai pas encore compris. Ouais, super, je me suis bien fait cramer. J'ai pas encore compris comment en laissant mon doigt, je peux tirer. Ah, il faut quand même que je le décale. Hein. Je peux pas faire ce que je veux faire. Hein. Il y a un mec là, donc il va revenir. Il a la confiance. En fait, ce qui est agaçant pour moi, ce dont j'ai pas encore l'habitude, c'est qu'il faut que je lève le doigt et que je rappuie. Ce qui me fait arrêter de viser, en fait. C'est assez simple. Hein. Donc, vous voyez, alors que là, normalement, je lui aurais déjà tiré dessus en mode simple. Mais on peut pas tout avoir, on peut pas étirer à travers les structures et avoir. Vous voyez? Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à tirer et peut-être je peux le faire. Alors attendez, je vais essayer. Est-ce que. Non, je peux pas, j'ai pas eu le temps d'essayer. Si je reste appuyé sur le tir et que je bouge le pouce, est-ce que ça tire tout en visant? Si c'est ça serait un avantage quand même, ça serait un peu mieux parce que là j'ai quand même de grandes difficultés. Donc évidemment, vous avez bien vu, j'ai été extrêmement mauvais, mais on va tâcher de se rattraper un petit peu maintenant. Même pas dans le top 3 de ma team, mais de toute façon, ça c'était pas moi, c'était l'autre team, c'est n'importe quoi. Allez, on continue, on reprend une nouvelle map. Moi j'avais fait quoi dans ma team? Je suis arrivé en cours, mais c'est pas une excuse, hein, élimination 3. Laissez tomber quoi, je suis troisième ex aequo, c'est tout pourri. Donc allez, on repart et on va essayer d'oublier cette partie. Vous-même, je vous invite à l'oublier, vous avez rien vu, ce n'était pas là, ce n'était pas record, et vous n'étiez même pas là d'ailleurs, vous étiez ailleurs. Allez, on est reparti, boum, là on est en pré-partie, vas-y, on attend encore un joueur. Est-ce que donc je peux tirer? Ah bah voilà, c'est moi qui suis un boulet en fait, je peux tirer et faire ça. Alors qu'à chaque fois, je relevais le doigt. En fait, c'est moi qui ai été mauvais sur le coup. Pour économiser les balles, en fait, j'essayais de relever le doigt
pour faire des bons tirs, mais en fait il faut y aller à la bourrin, faut pas se prendre la tête. Non, ça va grandement améliorer mon niveau de jeu, ça. Hop là, ouais. Ça va très grandement améliorer mon niveau de jeu. Normalement, je dis ça, mais ça se trouve, je vais encore manger mes dents, je vais prendre une raclée. Ça serait quand même un petit peu pitoyable. Donc on va essayer de faire quelque chose de haut niveau. Hein, on va essayer d'être respectable et respecté. Allez, on est reparti. C'est parti. Allez, cours, cours, cours vraiment, fais pas semblant. Fais pas semblant là. Allez. Les mecs, je sais qu'ils arrivent. Ils aiment arriver par là. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Voilà. Donc déjà, je ne mens pas. Au moins, j'ai fait le premier kill. C'était pas genre blabla. Oh, toi t'es beau, toi t'es beau. Toi t'es beau. T'as un snipe, hein, t'es mal. Oh yeah, j'allais. En plus j'allais faire me la raconter, dire ah t'aimerais bien me toucher hein. Ben voilà, il m'a défoncé. C'est super. Il y a un mec qui doit arriver normalement, puisque j'avais vu qu'il y avait un mec en bas. Donc en tout état de cause. Et l'autre il était balèze au snipe, hein. Ok. Ouais, effectivement. Non seulement il est balèze, et en plus il bouge comme un ninja si c'est le même mec. On est en train de manger nos dents. Donc hop là, faut rusher. Faut pas chercher à traîner. Faut pas que je reste là parce que les mecs ici rigolent pas. C'est quand même chaud de ouf, hein. Ils sont bouillants. Mais le mec au snipe, il est tellement puissant. Allez, voilà. Je t'ai fait payer ton insolence. Oh, il s'est barré. Allez, on y va, on rush. On repasse au viseur, on rush. On repasse au viseur, on rush. Allez. Là, je sens bien que les mecs sont derrière. On va se faire défoncer. Oh là là, 4-14. On est minable. On se fait brûler. C'est super. Je sais même pas par où ils sont passés, les mecs. Je suis sûr, je vais être en train de les doubler. Je vais être à côté d'eux, tranquille. Je vais même pas les avoir vus. Allez, où c'est qu'ils se sont mis, ces nazes? Je les vois bien être montés parce que ça a l'air d'être quand même des bons crampeurs. Allez, voilà. Qui c'est qui avait raison? C'est des grosses crampeuses. Je les voyais bien faire ça, c'est leur mentalité, les mecs. Ça. Et là, ils vont recommencer à faire ça. Allez, remballe. Si tu veux camper, tu vas camper ailleurs. Espèce de crampeuse. Oh là là, il est super bon ce snipe. Mais enfin, j'ai été aussi mauvais, hein. Faut dire ce qui est. Il est bon et j'ai été mauvais. Voilà, 50-50, balle au centre. Qu'est-ce que je fais là? Il est balèze quand même. Il est très très bon. Il est rapide, il tire bien, il est vif. Alors que moi je suis lent, je suis gros. Je suis une patate. Allez. Il y a un mec là-haut. Allez, remballe. Je suis mauvais, mais quand même, on n'exagère pas, hein. Son pote le snipe qui va arriver. Pourquoi je tire pas? Qu'est-ce que je faisais? Je me gourais. J'appuyais, je tirais même pas comme un naze. Sérieux. Allez. Ouh. Coquin là. Coquin. Allez, à la minch, on va tenter ça comme ça. Allez, vas-y, jette-le. Tente n'importe quoi, mais on s'en fout, ça va bien tomber quelque part. De toute façon, à un moment, il faut arrêter d'attendre des choses et faut y aller, hein. Faut y aller à un moment. Oh, t'as essayé le couteau, hein, c'est mignon. C'était bien tenté, hein. Moi j'aime les mecs qui tentent des trucs. Je trouve ça respectable. Voilà. Oh! Quand même, de loin contre un sniper.
J'ai voulu un peu me la raconter là, faut bien l'avouer. Je me suis dit, je suis chaud, je me la raconte. J'aurais pas dû. Hop là, allez, ça, c'est... Du moment que je me la jette pas sur la gueule comme tout à l'heure, ce sera déjà mieux. J'aurais acheté une grenade, ça va faire diversion. Ils vont se dire, ouh, il est là. Bah non, il est pas là. Il est ailleurs. Allez, venez. Je sais pas, je voulais dire je le sens bien au-dessus, mais non. Non, je dis des conneries. Il est pas au-dessus. Et eux, ils sont où les nazes? Ah, ils sont là. En fait, il y en a deux des snipes. Ah, je comprends mieux en fait. L'autre tout à l'heure, il s'est pas téléporté, juste ils sont deux. Ils sont deux campeurs professionnels. C'est normal. Mec, ils travaillent chez André Trigano. C'est des pros de l'attente. Moi, où c'est où ils partent en vacances? Au camping. Bon, bah voilà. Là. La petite surprise de la grenade pour mes potes. Bon, on va tenter de leur refaire à l'envers comme ça. J'ai merdé pour la grenade. Hein, du coup. On s'en fout un peu. Hop là. Hop là. Suivant. 43-33. C'est un petit peu du n'importe quoi. Hop là. Eh, j'ai eu de la chance. Hein. Chance intégrale. 100% chance. 100% des joueurs ont tenté leur chance. Hop là. Chance. Ultime. Ultimate chance. Il va savoir que je suis là, du coup. Parce qu'il m'a vu tirer comme un naze en plus. Eh, du moment que je suis pas dans la kill cam, moi je m'en fous. Hein. C'est pas moi la kill cam. Il en reste qu'un à faire. Je ne serai pas ce. Je voulais pas être la kill cam. Je voulais pas être celui qu'on voit mourir. Pouh. Une petite partie là. On a perdu, mais ça va. Je suis pas dans la kill cam. Voilà, je suis pas en train de mourir comme du caca. On est bien. On a fait un bon score. Je pense, quand même, on a été un petit peu plus respectable. Le fait d'avoir enfin compris que je peux bouger ma cible. Alors, le premier, il a été chaud. Hein. Bref, en fait, je m'améliore en mode expert. Allez, on dégage ça. Je passe au niveau supérieur, niveau 15. Voilà. C'est super. J'ai fait combien de kills? Combien de kills? Je suis premier de ma team. J'en ai fait 19. Je suis bien. Je suis même bien par rapport aux deux autres qu'on fait 21 et 22, les deux gros campeurs là. Campeurs ou pas, de toute façon, ils étaient meilleurs. Puisqu'ils ont gagné. Donc, on y retourne. Et là, on va voir. Niveau 15, je suis dans une team plutôt équilibrée. En niveau... Oh, c'est la même map et le même côté. D'accord, on est en pré-partie. Même map, même côté. Bon, ben... On va voir ce que ça vaut. Hein. J'espère qu'on va pas retomber contre des mecs qui snipe. Mais on ne le sera que dans quelques secondes. Vas-y. Moi, je kiffe la M4. Hein. C'est l'arme du début. C'est l'arme des débutants. Je suis sûr que c'est l'arme préférée des débutants. Donc, moi, ça me va très bien. Je suis un bon débutant. Il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais voulu être un PGM. Donc, allez, on y va. Allez, go. Allez. Qui va faire le premier kill? Qui va faire le premier kill? Et qui va être le premier kill surtout? Non, touche pas mes cibles. Touche pas mes cibles. Oh là là là. Essaye pas d'aller me voler mes cibles. Ils sont tous partis de l'autre côté. Il essaye d'aller me voler mes cibles. Oh là là. J'ai pas eu le premier kill. Ils en ont fait un juste avant nous. Mais il était pas mal quand même. Il va essayer de revenir là? C'est pas bien de faire ça. Il est immortel. Il était immortel. Il aurait pu me défoncer 10 fois. Ouais, il a la chance. Hein. Je le redis, la chance.
Je suis en train de gâcher mes balles, mais d'une puissance. Les mecs, il faut pas sortir de toute façon là. Ils peuvent pas sortir. Voilà, ils peuvent pas sortir. J'ai bientôt plus de balles. Il va falloir que j'aille en ramasser. Je vais pas avoir le choix. Allez, faut te lever, hein. Faut te lever, faut te bouger. Redonne des munitions. Voilà. Y a pas le choix. Y a pas le choix. Y a pas le choix. Il faut bouger. Il faut bouger, bouger. C'est chaud. Ça boule. Allez. Et les mecs qui sont là, hein. Le problème c'est que quand ils repop là, ils sont immortels. Donc. Hop là. Allez, on recharge. Je peux pas. Ce qu'on va faire, on va y aller à la grenade. Ouais, c'était sûr. De toute façon, là, j'avais pas le choix. Hein. Vu le nombre de balles qui me restait, il fallait que je prenne des risques. Mais j'ai été mauvais. J'aurais dû vraiment rusher, prendre et essayer de les avoir comme ça. Là, il va falloir que je trouve un moyen d'y retourner. Hop là, voilà. Eh, on voit de loin ici, hein. On a une bonne visibilité ici. Hein. Il va arriver, il va essayer de faire le tour, non? Il va essayer. Comment ça se fait qu'il est tombé, lui? Qui a réussi à avoir mon pote? Bon, on va arrêter de tergiverser de toute façon. Et on va y aller. Ok. Donc là, on a plusieurs... Hop là, on a toi. Et lui, il peut revenir par là, c'est ça qui est chaud, quoi. Il peut se dire, j'ai la confiance, je reviens par là. C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Écoutez, hop, allez, vas-y, lance ça, je sais pas où il va ratterrir, mais il va ratterrir, c'est tout ce que je sais. Hop là, le mode expert, c'est là qu'il prend toute sa valeur. Tu voyez? Oh là 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 là. Magnifique. Magnifiquement chanceux. Ouh, je t'ai vu, coquin. Je t'ai vu et je t'ai tué. Vu. Qui a vu? Bon, là, le problème, c'est que... Voilà, il était immortel. Là, il va se reposer, mais il en reprend quand même dans, dans les dents. Hop là, j'étais pas moi qui t'ai tué, coquinou. C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, j'aurais dû jeter la flash comme ça. Hop. Et j'allais essayer de l'avoir au couteau, ils étaient derrière nous. Tu me disais, c'était pas mon pote là qui est en train d'essayer de poignarder l'autre. Allez, on est reparti. Allez, allez, allez. Allez, plus que 10 frags et on a fini. Ça passe pas à travers ça? Bah si. Qu'est-ce qu'on était en train de faire là? Allez, on va passer par là cette fois. On va faire le tour par cette porte là. Je sens bien qu'on va réussir à les surprendre dans un ça. Hop là. J'ai été loin, hein. J'avais bien mérité de mourir. Je suis bien placé, je campe bien. Hop là, j'ai bien tiré n'importe comment, hein. Ça fait plaisir de tirer comme ça, hein. Moi je trouve que quand on est mauvais, on est tellement mieux quand on est mauvais parce qu'on n'attend rien comme ça. Donc quand on kill, c'est toujours un bonheur. Allez, un petit frag, il nous en manque plus que 5. Vas-y, déjà, y a toi, 4. Allez, ensuite, vas-y, 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 hop, 4, 4, 4, 4, hop. Vas-y, t'apparais là, donc fais pas genre t'es pas là. Bien sûr t'es là, je le sais très bien que t'es là. Voilà, tu vois, je te l'avais dit. 4, 3. Oh, il y en a un qui est là-haut. Hop là, allez. Victoire 50-28. Bon, deux défaites, une victoire. Une défaite humiliante, une défaite standard. Et une victoire easy.
On aurait pu faire mieux, hein, parce qu'au départ on menait 19-4, hein, donc on aurait pu mettre un petit 50-10, donc ils se sont bien ressaisis quand même en face. Donc c'était un match intéressant. Je suis MVP, c'est top, 2165, c'est pas mon record, mais c'est propre quand même. Pouh! Bon, j'ai pas fini quand même sur une raclée, donc ça va. Ça va, 22 éliminations, c'est respectable, on est bien. Ils avaient un mec à 16 en face quand même, il est deuxième de la partie en nombre de frags. Bon, bah c'est propre. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo, cette petite triplette de compétition en ligne de front vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo. La prochaine fois, je pense qu'on va repartir sur du Battle Royale. J'ai aimé, j'ai bien kiffé la dernière fois que j'en ai fait un. C'était mon deuxième, j'ai fait direct un top 1, par chance, bien évidemment, parce que la chance du débutant m'a bien souri. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite de faire plein de frags et d'être MVP avec 3500 points. Bon jeu à tous et à plus.